Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Oh Alléluia. Continuons à louer notre Dieu. Continuons à adorer le Seigneur de gloire. Continuons à répandre, à épancher nos cœurs devant celui qui nous a attirés ce matin à lui, celui qui nous a ouvert la porte de sa maison et celui qui nous accueille avec amour, avec joie. Adorons-le, louons-le, proclamons sa gloire. Oh, alléluia. Oh, merci. Merci, Maître. Merci, Jésus. Oh, gloire. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Je vous demande donc de garder un moment de silence, tout en restant concentré sur la personne du Christ, car le Seigneur est bien présent au milieu de nous. Le Seigneur est bien là. C'est lui qui nous a laissé cette promesse, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Celui-là est bien présent. Celui qui nous a accueillis ce matin en sa présence. Celui qui nous donne cette grâce de pouvoir communier avec lui, de pouvoir nous rassasier de son image, de pouvoir avoir un face-à-face avec lui au travers de cette grande célébration. Oh, alléluia, réalisons combien le Seigneur est bon, combien le Seigneur est merveilleux, combien il est amour, combien sa bonté se renouvelle chaque matin. Oh, alléluia, oh, merci. C'est devant toi, Emmanuel, Dieu avec nous, que nous nous tenons, Seigneur, alors que nous venons de commencer cette célébration dominicale. C'est devant toi, le Dieu qui nous a tellement aimés, au point de quitter ton ciel de gloire pour entrer dans l'espace et dans le temps, venir sur cette terre, et ce, malgré son état abominable, pour nous chercher, ô Dieu, dans notre perdition. C'est devant toi qui as tout accompli à la croix de Golgotha que nous nous tenons, ô Dieu, devant toi, le Sauveur de nos âmes, de nos esprits et de nos cœurs, devant toi dont la parole est créatrice, devant toi qui as le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. Oui, devant toi qui veille sur nous jour après jour, devant toi qui éprouve du plaisir à nous prêter généreusement ton souffle de vie, cette haleine vitale qui nous anime. Oui, c'est devant toi, Seigneur, que nous nous tenons pour d'abord t'exprimer notre reconnaissance d'avoir permis que nous ayons ces moments merveilleux, extraordinaires. Seigneur, merci de nous avoir, ô Dieu, ouvert la porte de ta maison et de nous y avoir accueillis avec amour, avec joie, car tu n'as qu'un désir, c'est de nous voir avancer, Seigneur, sur le chemin de la vie avec toi. Car tu n'as qu'un désir, c'est de nous voir aller de gloire en gloire, de triomphe en triomphe. Oui, Seigneur, tu ne cherches qu'une chose, c'est que nous puissions te ressembler en tout. Et cette, Seigneur, cette rencontre d'aujourd'hui est un rendez-vous divin. Ces moments merveilleux sont des occasions, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir, ô Dieu, nous épancher devant toi et t'abandonner toute notre vie. Merci, merci pour la semaine qui vient de s'achever, semaine au cours de laquelle nous avons apprécié ta présence à nos côtés, semaine, Seigneur, au cours de laquelle nous avons vu combien tu étais bon, combien tu étais tout-puissant, car par ta grâce, Seigneur, et en ton nom, nous avons remporté des victoires. Oh, merci. Non seulement tu as terminé cette semaine avec nous, Seigneur, mais voilà que tu commences cette nouvelle encore avec nous. Et tout ceci, Seigneur, montre une fois de plus que tu nous aimes et que tu tiens, Seigneur, à notre salut. Tu veux que nous demeurions en toi. Tu veux, ô Dieu, que nous avancions dans la vie en nous appuyant sur toi, en comptant sur toi, en nous attendant à toi. Oui, Seigneur, sois loué, sois béni, sois avec nous, ô Seigneur, et conduis toutes choses, alors que nous sommes là pour nous faire du bien en ta présence, alors que nous sommes là pour nous réjouir devant toi. Seigneur, prépare nos cœurs à te louer, à t'adorer,
Prépare nos cœurs à interagir effectivement et concrètement avec toi. Ô Dieu, donne-nous, Seigneur, d'avoir cette foi qui nous permette de créer toutes les conditions afin que ta gloire paraisse, afin que ta majesté éclate, afin que ta vie nous soit accordée en abondance, afin que des miracles prennent place, afin que des liens et des chaînes tombent. Dans le nom de Jésus, merci. Merci pour tout. Merci Seigneur. Sois avec nous tout au long de cette célébration dominicale. C'est pour nous un moment de joie, un moment de bonheur, un moment où nous venons charger nos batteries, un moment où nous venons déposer à tes pieds nos inquiétudes, nos troubles, nos soucis et tout ce qui nous accable d'une manière ou d'une autre. Mais c'est aussi un moment où nous venons partager ta joie, partager ce bonheur de t'appartenir, ô Dieu, et de continuer notre marche, notre voyage, notre pèlerinage ici-bas, en ayant nos yeux, nos regards fixés sur toi. Merci Jésus, accepte de passer ce moment ensemble avec nous. Merci Maître. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Et gloire à Dieu. Alléluia, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est bon. Oui, il est bon. Puisque nous sommes là ce matin, puisqu'il nous ouvre la porte de sa maison, puisqu'il nous donne l'occasion de nous approcher de lui et de communier avec lui, d'avoir un face-à-face avec lui. Tout cela, mes amis, est une fois de plus la manifestation de ce Dieu qui nous aime tant, de ce Dieu qui est toujours rempli de compassion, rempli de miséricorde envers chacun de nous. Une gloire au Seigneur. Nous voulons vous accueillir avec joie, mais aussi avec reconnaissance envers le Seigneur, vous accueillir donc à ce premier service dans le cadre de notre célébration dominicale ici au Centre évangélique francophone La Borne, et vous souhaiter la bienvenue à ce moment merveilleux que nous sommes en train de passer avec le Seigneur. Dieu, dans son amour, eh bien, a conduit nos pas dans sa maison parce qu'il a quelque chose à nous révéler, parce qu'en sa présence, nous pouvons alors, mes amis, croître comme le lys des champs. En sa présence, nous pouvons alors porter du fruit, et afin qu'au travers de ce fruit-là, son nom soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Très ravi donc de vous voir assis là, attendant que le Seigneur puisse poser sa main sur chacun de vous. Très ravi de louer, d'adorer le Seigneur ensemble avec nous. Gloire à Dieu. Nous sommes le premier jour de la semaine, à savoir le dimanche, et depuis l'époque des apôtres, cette journée a été consacrée à Dieu, a été mise à part par les apôtres afin de permettre à tous ceux qui se réclament du Christ de se retrouver ensemble pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour écouter sa parole, pour déposer à ses pieds bien toutes sortes de fardeaux et aussi pour recevoir de lui bien autant de ressources spirituelles, autant de ressources et de forces morales pour poursuivre notre marche. Et donc, nous bénissons Dieu pour ce premier jour de la semaine. Alléluia. C'est un Dieu formidable, c'est un Dieu extraordinaire, un Dieu magnifique, un Dieu qui n'hésite pas à nous visiter d'une manière ou d'une autre. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont expérimenté la main du Seigneur tout au long de la semaine qui vient de s'achever. Et si tel est votre cas, si vous avez expérimenté d'une manière ou d'une autre la grâce, la bénédiction de Dieu dans votre vie, je vous demanderai de lever votre main afin qu'ensemble nous puissions rendre grâce à Dieu pour vous. Alléluia. Merci. Mes amis, continuez à faire confiance au Seigneur. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Et avec lui, nous finissons toujours par faire des exploits. Avec lui, la victoire, quel que soit le combat en face de nous, avec lui, la victoire est toujours impossible. Gloire à Dieu. Et puis, il y en a d'autres qui ont eu leur anniversaire, soit la semaine qui vient de s'achever, ou alors aujourd'hui. Et là aussi, j'aimerais demander à tous ceux-là de lever leurs mains afin que nous puissions rendre grâce à Dieu ensemble avec eux. Merci, merci. Merci pour les anniversaires. Gloire à Dieu. Merci. Nous bénissons Dieu donc pour tout ce qu'il a fait. Mais nous voulons penser également à tous ceux qui passent par des moments difficiles, à tous ceux
qui ont été ou qui sont affectés par le décès de quelqu'un qui leur est proche. Si tel est votre cas, eh bien, nous aimerions vous encourager et vous dire que le Dieu que nous servons, celui qui se révèle au monde comme étant Emmanuel, est aussi le Dieu de toute consolation, de tout réconfort. Que nos prières, nos pensées vous accompagnent et vous assistent alors que vous continuez à faire confiance à lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, nous avons commencé notre culte un tout petit peu en retard et je bénis Dieu de ce que le Seigneur est là et vous êtes là. Qu'attendre d'autre si ce n'est de louer, d'adorer ce Dieu-là ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. Excellente célébration. Amen. Amen, amen. Dieu est avec nous et il est celui qui combat pour nous. Amen. J'aimerais nous dire, nous exhorter à être tranquilles car celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Nous allons nous lever et acclamer le roi des rois. Nous allons chanter ce chant. Ah, j'aimerais que nous puissions bien acclamer le roi des rois. Ah. Et le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui combat pour nous, il récule les ténèbres, il éclaire le royaume qui ne sera jamais ébranlé. Et au nom de Jésus, nos ennemis sont vaincus. Pendant que nous allons chanter ce cantique, nous ne savons ce qui va se passer pour nous, pour notre vie, dans le monde spirituel, pour notre pays, mais j'aimerais que nous puissions confesser les paroles de ce chant avec foi. Alléluia, on y va. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie en l'honneur de notre roi? Oh,
Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Il est bon là, incomparable.
mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il mérite l'acclamation. Alléluia. 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 Nous allons déclarer en ce matin que tu mérites la louange. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie en l'honneur de notre roi? Alléluia. Il est celui qui revient. Alléluia. On y va ensemble.
Tu le mérites, Yahweh. Alléluia. Tu mérites, Seigneur Jésus. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour te louer, pour t'exalter, Nzambe. Agneau de Dieu qui a vaincu pour nous. Tu es venu pour accomplir la loi, Jésus. Et avec toi, nous pouvons vivre. Avec toi, dans mon cœur, je peux aimer. Merci pour ta sainte présence. Bongi Lankembo Benama Sanjoli. Oh, reçois l'adoration, Jésus. Reçois la magnificence, Père des Pères, Roi des Rois. Nous te bénissons, Yahya. Nous te bénissons, Yahweh. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Nous n'avons pas un autre nom. Tu es celui qui règne d'âge en âge. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Voyez combien l'Éternel est bon. Et sur nous en ce matin, il déverse sa bénédiction. Nous sommes là aussi pour être bénis par sa présence. Que sa présence nous bénisse. Que sa présence rende nos terres infertiles et fertiles au nom de Jésus. Il est le Dieu de la fertilité. Le Dieu de la multiplication est en ce lieu. Adorons le Seigneur, adorons et levons-le. Alléluia, tu es bien présent au milieu de nous, Jésus. Nous élevons ta présence. Oh Jésus. Merci pour ton nom, merci pour ta présence, Seigneur. Il rend nos terres infertiles et fertiles. Merci pour ta bénédiction, Seigneur, que tu déverses en ce lieu. Oh, tombe-moi, Kolo. Sois élevé, Seigneur. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Touche-nous fléchis lorsqu'on parle de l'agneau. Touche-nous fléchis lorsqu'on parle de l'agneau. Merci Seigneur Jésus. Je t'aimerai Dieu ma force, mon rocher, mon bouclier, pour toujours et à jamais. Et Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit est bien présent au milieu de nous et il agit bien au milieu de nous. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Je t'aimerai, Dieu, ma force. Je t'aimerai, Dieu, mon rocher, mon bouclier, pour toujours et à jamais.
Tu mérites toute la gloire, Seigneur. Oh Seigneur, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé. Alléluia, Jésus. Pendant que nous prions, le camp de nos adversaires sont confondus. Le camp de l'ennemi est confondu. Le camp de l'ennemi est confondu. Le plan du diable est confondu. Réduit à néant au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous élevons ton nom. Alléluia. L'ennemi a échoué pour nos vies, pour l'église du Christ, pour son peuple. L'ennemi a été vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Sa tête a été écrasée à Golgotha. Sa tête a été écrasée à Golgotha. Hé, Jésus, merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Alléluia. Nous avons raison de te célébrer. De dire que tu es ma force. Jésus, de dire que tu es mon bouclier. De dire que tu es mon rocher, le rocher inébranlable. Tu es inébranlable, Jésus. Nous élevons ta présence, alléluia. Nous élevons ta présence en ce lieu. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le grand vainqueur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Quand il parle, la chose arrive. Il ordonne et elle s'accomplit. Sa parole s'accomplit avec fidélité. Alléluia. Je t'aimerai, Dieu ma force. Je t'aimerai, mon bouclier. Je déclarer, alléluia, mon Dieu règne.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avant d'écouter la parole, j'aimerais que nous chantons cette chanson qui dit « Jour après jour, je cherche ta face. » Merci Seigneur. Alléluia. Jour après jour. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta face. Plus je me rapproche, plus j'aime louer son nom. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta face. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Garde mon cœur pur, garde mon cœur. Je cherche ta présence, je te poursuivrai de tout mon cœur. Car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur. Oh, garde mon cœur pur. De demeurer dans cette attitude de recueillement. Quelle parole merveilleuse que celle de ce chant que nous venons d'interpréter. Je voudrais que ce soit la prière de chacun de nous. Seigneur, aide-moi à garder mon cœur pur. Seigneur, aide-moi à te poursuivre. Apprends-moi, enseigne-moi à te ressembler en toutes choses. Et un des objectifs de la parole de Dieu, c'est justement de nous aider à connaître le Seigneur
et à lui donner l'occasion de déposer quelque chose en nous, quelque chose qui va nous transformer à son image, qui va nous métamorphoser, qui va donc nous transfigurer et nous faire ressembler à lui seul. C'est toujours, Seigneur, un privilège pour nous de nous asseoir à tes pieds et de te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Merci pour toutes ces occasions que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir nous tourner vers toi, de pouvoir, Seigneur, nous ouvrir à l'action de ton Saint-Esprit par et au travers de ta parole. Et ce matin, nous aimerions, ô Dieu, que tu nous parles comme à chaque fois que tu es là, comme à chaque fois que, Seigneur, nous t'en donnons l'occasion. Merci de disposer nos cœurs de manière à ce que ta parole soit bien accueillie dans chacun de nous. Merci de nous donner cette capacité spirituelle, cette capacité intellectuelle dont nous avons besoin pour comprendre, Seigneur, le message de ta parole. Mais en même temps, donne-nous cette force qui va nous permettre, Seigneur, de mettre cette parole en pratique, car il ne s'agit pas simplement de recevoir quelque chose de ta part. Et encore, il faut qu'après avoir reçu, Seigneur, une pensée de ta part, eh bien, nous puissions la mettre en pratique. Merci de bénir ton serviteur, de l'assister, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Merci d'en faire simplement un outil entre tes mains pour ta révélation auprès de ton peuple. Nous sommes tous, Seigneur, le troupeau de ton pâturage. Nous sommes tous des brebis et tu es notre souverain pasteur. Tu es celui qui veille sur nos âmes. Tu es le seul qui nous connaît mieux que quiconque, qui connaît ce dont nous avons besoin pour une vie, Seigneur, victorieuse, pour une vie plus épanouie, pour, Seigneur, une marche dans la victoire, celle que tu nous as acquise à la croix des Golgotha. Parle-nous, fais-nous du bien, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien. J'aimerais revenir une fois de plus sur le thème de la fois dernière, à savoir, Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours. Apprends-nous, ô Dieu, à compter le temps que tu nous as imparti. Oui, apprends-nous, Seigneur, à compter tous nos jours. Et pour cela, j'aimerais que nous relisions les deux passages de la fois dernière, à savoir le psaume 89, à partir du verset 47 à 49, et puis ensuite le psaume 90 ou 90, de 7 à 12. Nous lisons donc, « Jusqu'à quand, Seigneur, te cacheras-tu sans cesse, et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi de ce qu'est la durée de ma vie, et pour quel néant tu as créé tous les êtres humains. Quel est l'homme qui peut vivre et ne pas voir la mort, ou faire échapper son âme à l'emprise du séjour des morts ?» Chapitre 90, 90, verset 7. « Nous défaillons. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face, ce que nous dissimulons. Car tous nos jours décline par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et si nous sommes vigoureux, à 80 ans, et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Amen. » Voilà, je voudrais revenir une fois de plus sur ce thème inspiré par ces paroles interpellantes, paroles formulées comme une requête,
par Moïse. Parole qui devrait, mes amis, nous permettre de réaliser tant de choses en rapport avec notre existence, en rapport avec notre passage sur cette terre. Alors que tout autour de nous, eh bien, cherche à nous distraire, alors qu'il y a toutes sortes de philosophies qui essayent de nous faire croire que après la mort, il n'y a rien, alors que tant de choses monopolisent nos pensées, nous distraient, il est plus que temps que cette parole de Moïse, que cette requête de Moïse devienne notre requête. Que nous demandions au Seigneur de nous donner cette sagesse dont nous avons tant besoin pour pouvoir mener une vie responsable, pour pouvoir mener une vie qui le glorifie. Cette sagesse qui nous permet de réaliser, mes amis, les différentes caractéristiques de notre existence, comme nous les avons vues la fois dernière. Et par rapport à ce thème, par rapport à cette requête, à cette attente de Moïse, à cette demande de Moïse, nous pouvons nous poser toute une série de questions. Questions qui puissent nous permettre de comprendre pourquoi devons-nous, entre autres, pourquoi devons-nous demander au Seigneur de nous aider à bien compter nos jours. Pourquoi? Pourquoi cette requête est si importante? Pourquoi devrions-nous, pourquoi vous et moi, mes amis, devrions-nous demander à Dieu cette intelligence de l'esprit, ces cœurs remplis de sagesse, afin de pouvoir bien compter nos jours? Quelle est l'importance, la pertinence et même la nécessité de ces paroles que Moïse nous a laissées dans sa prière, telles que nous la trouvons dans le psaume 90? En d'autres mots, quelles sont les raisons pour lesquelles vous et moi, nous devrions par tous les moyens demander au Seigneur de nous aider, de nous assister, de nous donner cette sagesse qui nous permette de bien compter nos jours? Eh bien, la fois dernière, à savoir le dimanche dernier, nous avons examiné la première raison pour laquelle vous et moi, nous devions absolument demander cette sagesse pour mieux compter nos jours. La fois dernière, nous avons mis en évidence, à partir de ce que nous avons lu et à partir des autres passages de la parole de Dieu auxquels je me suis référé, nous avons donc mis en évidence le caractère éphémère, le caractère mortel, le caractère bref, fragile, évanescent de l'existence humaine. Gloire au Seigneur. Mes amis, il est important que vous et moi, nous réalisions que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous ne sommes que des pèlerins en route vers notre vraie patrie. Puisque nous sommes des pèlerins, puisque nous sommes des voyageurs, puisque notre existence, notre présence sur cette terre n'est qu'un séjour, c'est-à-dire quelque chose qui a commencé et qui un jour va s'arrêter, puisque notre existence elle-même n'est qu'une parenthèse spatio-temporelle qui un jour devra tomber et nous permettre de passer dans l'éternité, puisqu'il en est ainsi, eh bien, nous voyons qu'il est donc important que nous puissions demander au Seigneur de nous aider à réaliser de manière responsable, à réaliser pleinement le côté éphémère, le côté vulnérable, le côté fragile de la vie humaine, le côté bref de la vie, oui, la vie. Que nous ayons la grâce d'être centenaires, de vivre même au-delà de 100 ans, qu'est-ce donc, au regard de l'éternité, ce peu de choses. Voilà pourquoi, mes amis, chacun de nous devrait considérer l'éternité comme étant la priorité absolue. Et de tout faire pour que et nos regards et nos affections soient posés sur les choses d'en haut. Car seules les choses d'en haut sont éternelles. Alors que tout ce qui est visible, alors que tout ce qui est palpable, alors que tout ce qui est tangible, mes amis, tout cela est appelé un jour à passer. Oui, la fragilité, oui, la brièveté, oui, la vulnérabilité, l'évanescence
la finitude de l'existence humaine, voilà ce qui devrait nous interpeller et nous amener à vivre de manière responsable, à comprendre que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Oui, sur cette terre où nous vivons, tout se hâte de disparaître. C'est la règle. Nous n'y pouvons absolument rien. Tout est appelé à passer. Le temps s'en va. Les années s'en vont. Et nous nous en allons. Voyez-vous? Alors même que je parle de ces thèmes ô combien importants que celui de l'éternité, alors que je parle de cette nécessité de prendre conscience du caractère éphémère, fragile et vulnérable de la vie, combien sont-ils en train de quitter cette terre et de s'en aller dans l'au-delà? Rien n'est dur sur cette terre, mes amis, tout passe, sans la moindre exception, nos joies, nos bonheurs, mais aussi nos souffrances, mais aussi nos larmes, mais aussi nos pleurs, nos croyances, nos philosophies, nos civilisations, nos connaissances, nos réussites, tout est appelé à passer. Notre terre elle-même est appelée à passer tout entière. Elle passera. Et aussi notre soleil, cette étoile dont nous avons tant besoin, qui nous envoie, qui nous donne cette lumière, cette chaleur, qui contribue à la vie sur cette terre, puisque le Seigneur l'a voulu ainsi. Ce soleil, mes amis, qui existe depuis l'aube de temps, ce soleil, notre étoile, notre chère étoile, est aussi appelée à disparaître. Alors, quand elle aura fini de brûler tout son carburant, il disparaîtra. Oui, notre soleil. Et même notre galaxie, la Voie lactée, dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle notre petite Terre, la planète bleue, n'est qu'un grain de sable, une infime particule de rien du tout, au regard de notre galaxie, qui elle aussi passera. Et l'univers dans tout cela. Longtemps les hommes, mes amis, rejetant les affirmations de la parole de Dieu, ont cru que l'univers était éternel. Mais vers le début du siècle dernier, par des savants calculs et par l'observation, eh bien, la science a rejoint les affirmations de la Genèse, du livre de la Genèse, en découvrant que l'univers, à l'instar de la vie, a une histoire. L'univers a eu un commencement, l'univers a eu un début, l'univers aura une fin, il passera comme les hommes. Voyez-vous, mes amis, un seul demeure éternellement, c'est celui par qui, c'est celui des qui, c'est celui pour qui sont toutes choses, non seulement dans le monde invisible, mais également dans le monde visible. Celui-là, c'est Emmanuel, notre Sauveur bien-aimé, alléluia. Lui est éternel. Lui demeure éternellement. Voilà pourquoi il tient absolument que nous comprenions toutes ces vérités et que nous nous mettions à mener une vie responsable, une vie qui lui plaise, que nous comprenions que nous ne sommes rien du tout, nous passerons. Et que dans ce laps de temps que nous passons sur cette terre, se joue notre sort éternel, c'est maintenant et non après la mort. Car après la mort, il n'y a plus possibilité de salut. Il n'y a plus possibilité d'expérimenter le pardon de Dieu. Après la mort, tout s'arrête là. Car la Bible est formelle, elle est catégorique. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc la mort, le fait qu'une l'âme de l'homme quitte ce corps de chair, ce vase d'argile, et passe dans l'éternité, oui, la mort met un terme à toute possibilité d'être sauvé. Voilà pourquoi la Bible nous encourage. Voilà pourquoi la Bible nous dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.
Aujourd'hui, si tu réalises que ta vie n'est pas en règle avec lui, ne dis pas « oui, je le ferai demain ». Ne dis pas « je le ferai après-demain ». Ne dis pas « oui, j'ai tout le temps, je suis encore jeune, quand je me marierai, alors je penserai à l'éternité ». Attention, c'est une grave erreur, car la vie qui t'anime ne t'appartient pas. Ce souffle de Dieu, ce souffle, cette haleine vitale qui est en toi et qui te permet de te mouvoir dans l'espace et dans le temps, ce souffle-là, tu le tiens du Seigneur. C'est lui qui a le dernier mot. Et tu ne sais pas quand est-ce que ce dernier mot proviendra de lui. Et par conséquent, mets-toi en règle. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Et pour nous faire prendre conscience, mes amis, de tout ceci, du caractère éphémère de la vie, de la brièveté, de la fragilité, de la finitude de la vie biologique qui nous anime, pour nous faire prendre conscience de tout cela, la parole de Dieu utilise des images très simples, des images qui nous sont familières, des métaphores, comme je l'ai souligné la fois dernière. Elle nous présente la vie comme étant un vase d'argile qui est appelé un jour à se briser. Voyez-vous? Eh oui, ce corps, quelle que soit sa beauté, quel que soit son éclat, quelle que soit sa gloriole, ce corps, mes amis, est appelé un jour à retourner à la poussière, à être brisé. Voyez-vous, la vie, comme une vapeur, la vie comme de l'herbe, comme la fleur, nous l'avons vu l'an dernier. Oui, nous ne devons jamais oublier, mes amis, que la vie est comme de l'herbe. L'herbe de champ et toute sa gloire, tout son éclat, toute son aura, tout son lustre, voyez-vous, toute sa gloriole, comme la fleur des champs. Quel est le sort qui est réservé à l'herbe? Peu importe sa beauté, peu importe sa verdure. Quel est le sort qui est réservé à la fleur? Peu importe, mes amis, sa beauté, peu importe sa fraîcheur. C'est que tôt ou tard, l'herbe finit toujours par sécher. Tôt ou tard, la fleur finit toujours par se faner lorsque le souffle du Seigneur passe dessus. Il en est de même de notre vie, mes amis. Il en est de même de chacun de nous. Nous ne sommes que de l'herbe, voyez-vous, qui pousse et puis qui à un moment va donc fleurir. Mais tôt ou tard, et l'herbe et la fleur passeront. Et puis il y a cette image que nous a laissée l'apôtre Jacques, image qui nous présente la vie, l'existence humaine, mes amis, comme étant comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et puis qui ensuite disparaît. Quelle image parlante. Regardez cette vapeur. Tout d'un coup, elle apparaît. Et puis petit à petit, elle devient diffuse, elle va dans toutes les directions et avec le temps, cette vapeur disparaît. Voyez? Oui, c'est ce que l'apôtre Jacques dit. Vous ne connaissez rien du lendemain. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et disparaît pour toujours. Alléluia. Ceux qui nous ont précédés sur cette terre, et Dieu seul sait combien d'hommes et de femmes nous ont précédés, des gens à l'aura extraordinaire, des gens célèbres. Ils sont partis depuis de nombreuses années, ils sont morts depuis un siècle, deux siècles, mais leurs noms sont encore là, voyez-vous, mais eux ne sont plus, ils sont partis. Un jour, ils sont apparus, ou ils ont paru comme une vapeur, et puis un jour, ils ont disparu. Oui, la vapeur qui paraît, qui disparaît. Mais en utilisant cette image de la vie comme étant de la vapeur qui disparaît, la Bible ne veut pas dire que comme la vapeur qui disparaît et puis il n'y a plus rien, qu'avec la vie c'est pareil, c'est-à-dire après la mort, il n'y a plus rien. Non, pas du tout. La vie, nous l'avons vue. Et le Seigneur est là pour nous l'enseigner
par sa parole, la vie se poursuit outre tombe. Alléluia. Je vous dirais qu'avec la mort, le véritable compte à rebours commence. Car nous pouvons mener une vie marquée par l'hypocrisie. Nous pouvons donner l'impression d'être l'homme le plus intelligent et qui marche avec le Seigneur, l'homme le plus saint. Regardez tous ces hommes religieux avec leurs soutanes, avec leurs apparats, avec leur apparence. Ils vous donnent l'impression qu'ils sont arrivés au sommet de la sainteté, mais derrière la soutane se cachent des vipères immorales. Derrière tout ça, il y a l'orgueil. Il y a l'arrogance, il y a la suffisance. Regardez-les quand ils marchent, c'est comme des paons. Ils vous donnent l'impression que sur cette terre, il n'y a que. Mais heureusement qu'il y a quelque chose qui nous attend dans l'au-delà. Car l'au-delà révélera qui nous sommes véritablement. Nous pouvons donner l'impression aux gens d'être même le représentant du Seigneur, comme si Jésus avait besoin d'être représenté. Lui qui a dit à ses disciples, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et recevoir les honneurs de la part des hommes, et voir des gens vous faire des courbettes, se prosterner, vous placer sur un piédestal. Mais écoutez ce que la Bible dit, « Ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination à l'Éternel. » Oui, la vie se poursuit outre tombe, et nous l'avons vu. Certes, à la mort, le corps retourne à la poussière, mais l'âme, qui est immortelle, passe dans l'éternité. Voilà pourquoi, mes amis, nous devons demander au Seigneur de nous aider à bien compter nos jours, afin que nous comprenions que cette vie est éphémère, que cette vie est fragile, cette vie est vulnérable. Voyez-vous, quels que soient les efforts, quel que soit ce que le monde nous offre, tôt ou tard, nous nous en irons et nous laisserons tout derrière nous. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, pour des gens hélas, qui sont tombés ou qui sont victimes de toutes sortes d'enseignements philosophiques athées, des philosophies, comme je le soulignais la fois dernière, d'obédience matérialiste, qui réduisent l'existence humaine à simplement ce que nous voyons. Pour la plupart de tous ces gens qui ont adhéré à ce genre de thèse, qu'il n'y a rien après, eh bien l'au-delà ressemble au néant absolu. Voyez-vous, à une sorte de trou noir gigantesque que personne ne connaît, et qui est rempli du vide. Pour beaucoup, c'est le vide sidéral. Eh bien, malheureusement, pour ce genre dont l'intelligence a été obscurcie par le diable, et c'est au travers de toutes sortes de croyances, de philosophies, toutes sortes d'enseignements, etc., eh bien, pour eux, ils pensent qu'il n'y a rien après la mort. Comme je l'ai souligné, ceci est une erreur gravissime. C'est une erreur fatale. Il y a quelque chose après la mort. C'est d'ailleurs ce qui donne un sens à la vie. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous attend. Soit des pires, ou alors, soit d'extraordinaires, des meilleurs. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quelque chose. Tous ceux qui sont morts, permettez-moi de vous le dire. Laissez-moi de vous le dire, mes amis, tous ceux qui sont morts sont quelque part, et la Bible est claire. Il n'y a personne qui a disparu dans le néant absolu. Non. Chacun garde sa personnalité après avoir quitté ce corps. Voyez-vous, il n'y a que deux lieux, et la Bible est claire, pas trois, pas quatre. Il n'y a pas une espèce de lieu qui serait réservé à un transit quelconque. Non, non. Ce soit le départ avec le Seigneur et l'arrivée dans son royaume, dans la félicité éternelle, dans la gloire avec lui, ou soit alors, on s'en va sans avoir eu l'occasion de se repentir, de se convertir, de demander pardon pour sa vie. Alors, dans ce cas-là, mes amis, la Bible ne me laisse aucune possibilité de marchander là-dessus. Dans ce cas-là, la personne s'en va tout droit dans ces lieux terribles, dans ce séjour des morts, en proie à d'atroces souffrances, dans ces lieux
des grincements de dents dans ces lieux, mes amis, de tourments éternels. Voilà pourquoi Jésus pleure encore aujourd'hui sur l'humanité lorsqu'il voit tous ces hommes et toutes ces femmes qui vivent comme s'ils étaient éternels sur cette terre, oubliant que nous serons dans l'éternité avec celui que nous aurons servi sur terre. Si aujourd'hui tu sers ta religion, si aujourd'hui tu marches avec le diable, voyez-vous, eh bien qu'est-ce que vous pourriez, ou qu'est-ce que tu pourrais espérer dans l'au-delà si ce n'est passé avec celui que tu auras servi? Ceux qui sont avec le Seigneur, ceux qui l'ont accepté, qui marchent avec lui, sont appelés à partager son éternité glorieuse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est donc vital, mes amis, que chacun de nous se rende compte de toutes ces caractéristiques de cette vie qui nous anime, telle que nous l'avons vue et nous venons de le voir. Et en même temps, il est important, il est nécessaire et indispensable que chacun de nous réalise la folie qu'il y a à ne vivre que pour le bonheur temporel, à ne chercher que la satisfaction des désirs de ce corps de chair, corps, comme je l'ai souligné, qui n'est qu'un vase d'argile qui est appelé un jour à se briser et à disparaître pour toujours. Voyez, c'est pourquoi ne soyez pas comme certains qui essayent par tous les moyens de chercher les choses de la terre, des gens qui pensent que leur valeur intrinsèque dépend de l'accumulation des biens que le monde offre. Pas du tout, mes amis. Tout ce que le monde offre n'apporte pas de plus-value à notre vie. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Peu importe notre condition sociale, peu importe notre condition intellectuelle, nous sommes des hommes et des femmes que Dieu a créés à son image et par conséquent, nous avons une valeur intrinsèque inestimable, incomparable. La richesse, la célébrité, la position sociale, politique ou autre, mes amis, n'apporte rien à notre valeur aux yeux de Dieu. Il faut qu'on se le dise. Car il y a des gens, hélas, parfumés d'orgueil, des gens, hélas, avec des égos plus que surdimensionnés, qui pensent que eux, eh bien, la terre leur appartient. Regardez-les comment ils marchent. Regardez-les comment ils considèrent les autres. Regardez-les comment ils méprisent les uns comme les autres. Aux yeux de Dieu, c'est des gens malades qui souffrent d'une folie mortifère. Et nous devons prier pour eux afin que le Seigneur leur ôte ses voiles qui les empêchent de réaliser la fragilité, la finitude, la vulnérabilité et l'évanescence de la vie, de l'existence humaine. Gloire au Seigneur. Et beaucoup d'entre eux cherchent à se faire un nom. Oui ou non? Oh, il faut que je marque l'histoire de l'humanité. Il faut qu'après mon départ, les gens continuent à parler de moi, disait-il, se faire un nom sur cette terre par la célébrité. Beaucoup d'hommes et de femmes la cherchent par tous les moyens. Quitte à tuer, quitte à voler, simplement pour être célèbre, par la notoriété, par l'argent. Oh, beaucoup sont heureux aujourd'hui de voir leur nom figurer dans le magazine Forbes, qui chaque mois ou chaque année a ce malin plaisir de nous dire les grosses fortunes de ce monde, c'est que ces gens pèsent véritablement sur le plan économique, sur le plan financier. Les gens cherchent à se faire un nom grâce à telle prouesse ou à tel autre exploit. C'est pas mauvais, voyez-vous. Il y en a par contre qui n'ont rien fait et qui cependant ont hérité d'un nom noble. Pensez à toutes ces familles royales. Pensez à tous ceux qui portent le nom des personnages célèbres, des personnages ou des personnes qui ont marqué l'histoire, soit de notre pays, soit l'histoire du monde. Oui, il y en a qui ont hérité ce nom-là. Et ils se pavanent partout à travers dans le monde entier en brandissant leur nom. Je suis le descendant de telle famille royale.
Je suis le descendant de tel baron. Je suis le descendant de tel chef coutumier. Nous, c'est la lignée directe de ceci ou de cela. Voyez-vous? Et ils sont fiers. Mais nous devons cependant savoir, mes amis, que les noms que nous portons aujourd'hui, que le nom que nous avons reçu, que les gens peuvent nous donner, voyez-vous, ce nom, si noble soit-il, vont nous accompagner pendant un temps, et ce, jusqu'à la tombe. Ces noms-là ne passeront jamais la barrière temporelle et spatiale. Tout s'arrête au niveau de la tombe. C'est à la tombe, sur la pierre tombale, que nous voyons les dernières traces de ce nom terrestre, dont certains auront été célèbres. Il y a à Paris un cimetière très célèbre, le cimetière du Père Lachaise, où sont enterrés beaucoup de personnalités politiques, des stars de la musique, etc., du cinéma, et des gens y vont en tourisme sur la tombe de telle star. Voyez-vous, sur la tombe de tel autre philosophe français, enterré là-bas, sur la tombe de tel autre chef politique, homme politique ayant marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire de la France, les dernières traces de tout ce nom-là que nous aurons reçu, soit de par notre naissance, soit à cause de nos, comment, de nos prouesses, de nos exploits, nous pouvons même avoir nos noms sur la liste de lauréats du prix Nobel dans le Guinness Book. Tout cela, eh bien, restera. Tout ce qu'on trouvera sur les épitaphes de nos tombes, ça sera quoi? Ça sera quoi, mes amis? C.J. Gaspard Kakontwe Chikwang. C'est tout. Pauvre Gaspard, lui sera déjà parti. Il ne saura même pas qui sont les gens qui auront enterré le reste de sa dépouille. Non, non, laisseront leurs traces, leurs dernières traces sur des épitaphes. Oui, ici repose Melchior Bidia Makemba. Point très. C'est tout. Tout va s'arrêter là. Mais écoutez, la Bible a une bonne nouvelle à nous annoncer. La parole de Dieu nous dit, mes amis, que le Seigneur a prévu de noms nouveaux pour tous ceux qui l'auront rencontré sur cette terre, tous ceux qui auront marché avec lui. Il a prévu de noms nouveaux. Voyez-vous, ces noms-là n'ont rien à voir avec le nom que nous avons reçu de la part de nos parents, avec le nom que le monde nous aura collé. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas nés avec le nom qu'ils ont aujourd'hui. Je me souviens encore, il y a peut-être 4 ans, 5 ans, je venais d'arriver, et puis je vois un calicot, une banderole, avec le nom d'un ancien président américain. Voilà. Ce nom-là, je ne voudrais pas faire la publicité de la personne, c'est plus tard que je découvrirai que ce n'était pas la vérité. Mais enfin, quand je regarde, je dis, tiens, c'est formidable, l'ancien président américain est à Kinshasa. Et j'apprendrai que non, c'est un musicien. Voilà. Donc les gens l'appellent par ce nom-là. Oui, le monde peut nous donner, nous couvrir de toutes sortes de titres, de toutes sortes de noms, mais tout cela restera, alléluia. Mais le Seigneur nous dit, un jour, pour tous ceux qui auront marché avec lui, pour tous ceux qui auront persévéré avec lui, pour tous ceux qui auront terminé leur pèlerinage sur cette terre avec lui, la Bible nous dit que Jésus a prévu quelque chose. Un jour, il nous donnera un nouveau nom. Ce n'est pas celui de Bondo, non, de Kasongo, de Ilunga, non, de Mende, non. Voyez-vous, j'ai dit ça comme ça. Hein.
de noms comme ça, Kaloubi, non. Tout ça va rester. Mais heureux ceux qui partent avec le Seigneur, car ils recevront de nouveaux noms. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit ceci à l'église de Pergame. Ô vainqueur, je donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Oh, alléluia! Ça veut dire que le nom qui vous est réservé, aucun ange ne le connaît. Aucun homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sera un nom extraordinaire. Un caillou blanc sur lequel il y aura un nom nouveau que personne ne connaît. Ça veut dire que de l'autre côté, le Seigneur t'appellera par un autre nom. Le nom qu'il t'a réservé, parce que le nom que tu portes maintenant est appelé un jour à passer. C'est un nom qui est lié, intimement lié à ce corps de chair. C'est par ce nom qu'on nous décrit, c'est par ce nom qu'on nous localise, mais ce nom-là restera et nous nous en irons dans la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà donc la première raison réalisée. Pourquoi nous devons faire cette prière? C'est afin de nous permettre de réaliser le caractère mortel de l'existence humaine, sa fragilité, sa vulnérabilité, sa finitude. Tout est appelé à s'arrêter à la tombe. Et c'est à la tombe, après la tombe, que le véritable compte à rebours commence. Alléluia. La deuxième raison pour aujourd'hui, pourquoi est si important de demander au Seigneur de nous aider, de nous enseigner, de nous apprendre à compter nos jours, c'est afin que nous conduisions notre cœur avec crainte. Avec crainte. Vivre dans la crainte. Et pour cela, nous avons besoin de la sagesse. Nous devons conduire notre cœur avec sagesse. Nous devons être remplis de la sagesse. C'est elle qui nous permettra, mes amis, d'avoir présente à l'esprit toutes ces caractéristiques de l'existence humaine. C'est elle qui va nous permettre de mener une vie responsable, une vie digne du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire conduire notre cœur avec sagesse? C'est mener une vie inspirée par la sagesse. Voyez-vous? Pas n'importe quelle sagesse, puisque la Bible parle de deux types de sagesse. Il y a la sagesse d'en bas, la sagesse du monde, qui nous est présentée comme étant une fausse sagesse. Voyez, cette sagesse du monde qui est décrite par l'apôtre Jacques au chapitre 3 de son épître, vous lirez ça. Cette sagesse-là, mes amis, elle est terrestre. C'est-à-dire, elle n'a rien à voir avec tout ce qui vient d'en haut. C'est-à-dire, elle n'a rien à voir avec la parole de Dieu, avec le Seigneur lui-même, notre Dieu. Elle est terrestre, voyez. Elle est charnelle. Elle s'est plaît dans les œuvres de la chair. Et la Bible est claire quant aux œuvres de la chair. C'est le mensonge, c'est l'impureté, c'est un débordement de débauche. La chair, c'est tout ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Non seulement elle est terrestre, cette sagesse du monde, non seulement elle est charnelle, mais elle est aussi démoniaque. Parce que elle ouvre la porte à l'influence démoniaque. Voyez-vous, elle ouvre la porte à toutes sortes de pensées qui nous viennent du monde des ténèbres. Cette sagesse du monde amène le gens à une conduite coupable aux yeux de Dieu. C'est elle qui est à l'œuvre dans le monde, mes amis. C'est une sagesse qui ignore la crainte de Dieu, qui ignore la sainteté de Dieu, qui ignore la justice. C'est parce que cette sagesse anime la quasi-totalité de l'humanité que l'humanité va mal, que l'humanité est sur cette voie, sur cette pente de la mort, de la destruction et de la ruine éternelle. Elle se manifeste, cette sagesse du monde, par un mauvais comportement, par une vie remplie de jalousie, de rivalité, d'ambitions égoïstes, de toutes sortes de désordres, et ce sur tout le plan
toutes sortes de pratiques mauvaises. Bref, cette sagesse conduit toujours, inéluctablement, à une vie indigne du Créateur. Donc, cette sagesse que Moïse a demandée, que vous et moi devrions demander pour pouvoir mener une vie que Dieu agrée, n'a rien à voir avec cette sagesse d'en bas, cette sagesse du monde. Et c'est donc de la sagesse d'en haut dont il est question, celle qui vient de la part de Dieu, celle qui est pure, celle qui conduit nos vies dans la pureté morale, dans la crainte de Dieu, dans les œuvres du Seigneur. Oui, elle conduit à une vie remplie du fruit de l'Esprit, une vie qui glorifie Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est de cette sagesse donc dont nous avons besoin pour mener une vie digne du Seigneur, une vie qui lui est agréable, voyez-vous, une vie gérée avec sagesse, avec responsabilité et qui vise des objectifs éternels. Cette sagesse du monde distrait l'humanité et finit par faire croire aux hommes, eh bien, ils n'ont rien à se soucier de l'éternité. Et un de ses slogans est « Mangeons et buvons, car demain nous... » Comme si tout s'arrêtait à la mort. Alors, puisque la mort est en plein jour à frapper, alors mangeons et buvons, réjouissons-nous comme nous voulons, faisons tout ce que nous voulons. Ça, c'est la sagesse du monde. Elle est aux antipodes, voyez-vous, de la sagesse d'en haut, celle dont nous avons vraiment besoin. Cette sagesse d'en haut est indispensable. Car grâce à elle, voilà d'ailleurs les raisons pour lesquelles nous demandons cette sagesse. Grâce à elle, nous prenons conscience de la valeur du temps, le temps qui nous est imparti. Nous savons que le temps passe. Et puisque le temps passe, puisque le jour passe, et que les jours qui sont devant nous, eh bien, sont de jours précieux que nous devrions gérer avec sagesse, avec intelligence, eh bien, grâce à cette sagesse, nous pouvons nous comporter d'une manière digne, gérer le temps qui nous reste, gérer le jour qui nous reste, de manière à ce que le Seigneur, notre Dieu, puisse en tirer gloire. C'est donc cette sagesse qui nous permet aussi de considérer l'éternité comme étant une priorité absolue. Et en même temps, c'est elle qui nous donne les moyens, qui nous permet d'avancer alors que nous sommes sur cette voie de l'éternité en ayant nos regards, nos yeux fixés sur notre Seigneur. Alléluia. Et enfin, c'est elle donc qui va nous permettre de faire bon usage de cette vie. Voyez-vous, cette vie si courte, cette vie si brève, cette vie si vulnérable, c'est elle qui va nous permettre de jouir raisonnablement et pleinement des biens que nous apporte cette vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà donc cette sagesse. Lorsque nous l'avons, nous pouvons alors conduire notre cœur de manière à ce que Dieu soit glorifié. Lorsque nous l'avons, nous pouvons mener une vie digne du Seigneur. Alors par rapport à cette sagesse, et nous nous arrêterons là, que pouvons-nous en apprendre? Apprendre sur cette sagesse d'en haut, celle qui est pure, celle que nous ne pouvons pas trouver sur cette terre, celle qu'aucun homme ne peut avoir et communiquer. Que dit la parole de Dieu à son propos? Eh bien, la Bible est claire, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ou dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, la Bible est claire à propos de cette sagesse. Écoutez ce qu'elle déclare dans le psaume 111, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Oh, alléluia! Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. En d'autres mots, lorsque nous commençons à vivre la crainte de Dieu, à demeurer dans la crainte de Dieu, alors cette sagesse commence à animer notre cœur. Alléluia. Cette sagesse commence à se manifester. Voyez?
Et toujours dans l'Ancien Testament, Proverbe 15, 33 nous dit, la crainte de l'Éternel ou la crainte du Seigneur enseigne la sagesse. Donc nous voyons qu'il y a un lien organique, vital, tout ce que vous voulez, entre la crainte de Dieu et la sagesse dont nous avons besoin pour mener une vie qui nous permette d'être conscients de la brièveté de la vie, de sa fragilité, de sa vulnérabilité. En même temps, cette sagesse va nous permettre de mener une vie que Dieu agrée. Une vie qui va permettre à Dieu d'être avec nous et de nous accompagner jour après jour, jusqu'au jour où nous aurons quitté ce corps, jusqu'au jour où nous arriverons au terme de notre séjour ici-bas. Gloire à Dieu. Que pouvons-nous donc déduire de ces deux déclarations magistrales de la parole de Dieu? C'est que nous commençons à mener une vie digne du Seigneur. Nous commençons à mener une vie responsable, une vie agréable à notre Créateur, lorsque la crainte de Dieu commence à devenir une réalité dans notre vie. Tout commence par là. Mes amis, il n'y a rien d'autre. Craindre Dieu. Et je vous dirais que beaucoup de problèmes dans nos vies, beaucoup de problèmes parmi nous, l'état déplorable, lamentable et détestable de l'humanité sont dus au fait qu'il y a manque ou absence de la crainte de Dieu. C'est la source de tout. Mes chers amis, la Bible a tant à dire sur la crainte de Dieu. Et du reste, toute la Bible a été écrite afin de nous permettre de connaître le Créateur et de marcher dans la crainte de son nom. Donc, quand le psalmiste, quand Moïse dit, « Seigneur, enseigne-nous à bien compter le jour, afin que nous conduisions nos cœurs avec sagesse », en d'autres mots, il nous amène tout droit vers cette réalité, cette vérité, mes amis, sans laquelle rien ne peut se passer avec notre Dieu, à savoir la crainte de Dieu. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Voilà ce que le Seigneur voudrait voir dans chacune de nos vies. Et lorsque cette crainte va commencer à se manifester, alors cette sagesse deviendra une réalité pour nous. Alors, nous commencerons à faire des choix, à prendre des décisions, à avoir un comportement, une conduite qui rencontre la volonté de Dieu pour notre vie. Alors Dieu sera de plus en plus content de nous voir marcher avec lui et vivre comme lui. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Merci. Je voudrais vous demander d'incliner simplement vos têtes dans la prière. Nous allons dire merci au Seigneur et lui demander de nous aider à bien compter nos jours en cherchant cette sagesse qui commence avec la crainte du Seigneur. Nous voulons te remercier pour ce moment, Seigneur, que nous venons de passer avec toi à l'écoute de ta parole. Comme Moïse, ô Dieu, nous voulons te demander de nous aider, de nous enseigner à bien compter nos jours, afin que nous sachions comment nous comporter vis-à-vis de toi, comment gérer, Seigneur, le temps, Seigneur, qui nous est imparti sur cette terre. Oh, aide-nous, ô Dieu, à rechercher cette sagesse qui commence par la crainte de ton nom, par la crainte, Seigneur, que nous te devons, cette crainte, ô Dieu, respectueuse, cette crainte qui va nous amener à mener une vie digne de toi, d'obéissance à ta parole. Oh, apprends-nous à bien compter le jour, en vivant dans la crainte de ton nom, avec sagesse. Merci pour tout, Seigneur. Merci également de bénir ce moment que nous aimerions consacrer, Seigneur, à la récolte des offrandes, des dîmes et de toute autre libéralité. Bénis ces paniers, bénis, Seigneur, toutes ces personnes, ô Dieu, qui te sont fidèles,
qui, par amour pour toi, par crainte de ton nom, Seigneur, et pour soutenir ton œuvre ici à la borne et au-delà, ô Dieu, te manifeste leur amour, leur attachement, leur consécration en te donnant cette offrande, en te donnant leur dîme, en te bénissant d'une manière ou d'une autre. Merci Jésus. Merci pour tout. Amen.